Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo Mercato, dans laquelle on va parler de Aurélien Tchouaméni qui est intéressé par le Real Madrid. Alors les frérots, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Dans cette vidéo, je vais vous apporter les dernières informations. Alors n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Cette fois, Aurélien Tchouaméni est bien la nouvelle attraction du Mercato. En témoigne la une de Mardi, un baromètre presque toujours fiable pour mesurer la cote de popularité d'un joueur sur le marché des transferts. Ce mardi, le milieu de l'AS Monaco se retrouve ainsi en pleine page du quotidien madrilène avec un titre évocateur, objectif du Real Madrid. Titulaire avec les Bleus lors de la finale de la Ligue des Nations, Tchouaméni a visiblement tapé dans l'œil des Merengues et pourrait devenir une propriété de recrutement juste après Kylian Mbappé. Selon le média madrilène, le Real Madrid recherche actuellement un remplaçant ou encore une doublure à Casemiro. Le nom du joueur de Monaco a été souligné en rouge à sur Marca, qui précise toujours que d'autres clubs sont intéressés par le milieu de terrain comme Chelsea ou encore la Juventus de Turin en Italie. L'intérêt de la vieille dame est d'ailleurs confirmé ce mardi. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Monaco, Tchouaméni serait donc certainement très courtisé lors des prochains mercato. En fin de saison dernière, les dirigeants du club de la Principauté avaient prévenu tout le monde qu'il faudra de grosses offres pour les convaincre de lâcher leur nouvelle star. Alors les frérots, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une très bonne idée de voir Tchouaméni au Real Madrid? N'hésitez pas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas le bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.